Ah, ok. On dit bonjour. On dit à peu, je dis assez mercredi 7 juillet. Ça fait un an, 11 mois depuis. Et il y a un groupe de monde qui était identifié comme des mercenaires qui ont assassiné le président Jovenel Moïse. Et nous connaissons ce dossier. Ça. Jusqu'à présent, il y a un seul monde qui est condamné. C'est Oudorja que la justice haïtienne, et pas la justice américaine condamnée, sont au total 11 monde qui sont en prison aux États-Unis, sur le même dossier ça. Mais en Haïti, le même dossier, l'avancée, et juge là, et continue à faire tendre, on sait des acteurs ou bien on sait des personnalités, et dans le cadre d'enquête, il a questionné ce dossier, ça qui ça connaît, ça a été connu, etc. Sous assassinat président Jovenel Moïse. Mais seulement, depuis lors, c'est seulement un grand monde qui a une condamnation et c'est les États-Unis qui ont condamné à vie et homme d'affaires haïtien ou chilien et Oudorja. Donc, M. Gévo passe toute les villes dans la prison sous dossier ça. Nous faisons parler du dossier, sous dossier. Actualité ici aux États-Unis, bon, il était pendant une graduation dans l'école de Virginie, son une graduation pour équivalent de l'élève lycée là, non? Mais une graduation ça était fini avec un incident côté que était éventuellement un adolescent et bien j'étais l'ouvri coup de zam sur assistance là. Et au moins deux monde qui mourit, il y a deux monde qui mourit, il y a plusieurs blessés et mais la police t'a arrêté et assaillant. Et bon, et jusqu'à présent pour une cause qui raison qui cause le fait mais son adolescent lié dans la il t'a arrêté alors la police a arrêté deux monde mais les ils vinn libérer l'autre là parce que suspect que l'autre travaille dans pour te ouais avec ça que t'a passé à docteur Kembe mon il était quoi que c'est suspect principal. Ça c'est ça qui a passé ici aux États-Unis et puis n'a dit que programme est humanitaire conditionnel Biden non et nous a bloqué te gain 20 états dans sud États-Unis qui déposé plainte pour demander c'est sud des états républicains qui demandaient pour mettre fin dans programme humanitaire ça pour quatre nations dont Haïti, Cuba et Honduras non Nicaragua avec Venezuela et bien et programme ça et qui te gain juge daté de tendre là dans mois ça là et bien et bon entente qui joint avec administration et bien yo envoyé c'est en déposition qui te gain pour faire côté que administration et groupe cap défendre immigrants avec représentant état ça yo t'a pas le témoigner pour devant juge là pour dire une pour expliquer raison que yo de mettre fin dans programme nan l'autre partie après ces raisons que pas ka mettre fin dans programme nan et donc yo mandé pour envoyer et envoyer le pour pratiquement pour mois de septembre zone fin septembre donc avec possibilité une décision pour prendre en mois d'octobre là donc en attendant programme humanitaire et conditionnel Biden nan que yo le programme Biden un programme ça qui a fait pour quatre pays dont Haïti, Cuba, Venezuela avec Honduras avec Nicaragua et mes programmes là l'a continué jusqu'à présent libre aller et jusqu'à présent sur l'administration hein, particulièrement département de sécurité intérieure américain hein, et bien programme là plan été mis sous pied par exemple soit faire immigration sur frontière les ont mis fin à et loi sanitaire titre 42 et pour administration hein, et bien fait connait que non rapport qui publié fait connait que plan a marché et bah résultat il y a moins monde que mettez monsieur monde qui présentait sous frontière sans document légal donc il y a moins monde donc pour administration hein, et ça et l'a marché et que mais il reconnaît tout il y a problème qui cause que et immigrants yo vague immigrants qui te pays yo pour prendre route et route dangereux forêt d'ailleurs dans plus tard c'est toute Amérique pour chercher aux États-Unis ou pour venir demander asile sur frontière le problème ça li là li existe et que faut gain moyen pour faire pour résoudre et puis dans même texte ça tout que département de sécurité intérieure a publié ben il parle tout de nécessité pour que Congrès et
donc républicain avec démocratie pour travailler ensemble pour faire ça une réforme et sous migration et puis tout ranger ou bien encore et ranger système asile là qui affecte et dit tout le temps ça va ça pas résoudre et bien a toujours gain grand quantité immigrants qui viennent sous frontière avec ou sans document légal et responsable qui connaît tout gain en pile immigrants tout qui choisit moyen légal là pour venir aux États-Unis n'a parlé de monde qui participer dans programme que l'administration a lancé 5 janvier passé pour 4 pays, mais n'a pas été de monde qui sous frontière au Mexique, qui ont même tout pris rendez-vous pour venir demander asile sous frontière. Donc, ça, c'est mon chercher, venir entrer. Ça n'a pas empêché que les États-Unis refoulent le monde quand même, et d'après titre 8 de la sous-migration. Alors, titre 8 de la sous-migration n'est pas prévoir que l'immigration et les États-Unis de refoulent le monde au Mexique, mais tu es en tant que jeune, que le Mexique est d'accord pour t'accepter 30 000 immigrants pour les États-Unis chaque mois. Donc, ça c'était surtout et haïtiens, nicaraguayens, vénézuéliens avec cubains. Donc, c'est pour l'accepter. Donc, les immigrants qui sont arrivés sur frontière qui n'ont pas accepté, si vous faites partie de la catégorie, ça va retourner. Mais pendant ce temps, il y a un grand pile de monde qui a gardé frontalier, mis en prison tout, et était certainement différent devant les services d'immigration qui prennent le temps de pour connaître si vraiment il y a raison pour demander asile ou bien garder assez d'arguments pour montrer, justifier les raisons que de l'asile, que si vous êtes dans le pays, eh bien, la vie est en danger. C'est un dossier que m'a préparé pour nous aujourd'hui, que m'a présenté dans notre tour dans le journal Radio sur Télévision après-midi. Et puis, il y a un vice-président américain, Kamala Harris, qui vient pour lui aller dans les Bahamas. Et ce salam, c'est pour demain même. Parce qu'il y a un sommet, leader Caraïbio, leader CARICOM a fait. Et alors, vice-président américain, Kamala Harris, il vient pour prendre la parole dans l'occasion. Donc, c'est certainement il y a des rencontres individuelles qui planifient. Et seulement pour discuter des problèmes environnement d'abord, un côté, l'autre problème politique, etc., qui affectait les pays membres CARICOM. Et en parlant de ça, on a dit que le pays CARICOM a réuni une rencontre inter-haïtienne qui a déroulé dans Jamaïque. C'est tout sur l'initiative CARICOM, mais c'est Bahamas qui a partagé, mais Jamaïque, c'est le côté que la rencontre a déroulé. Et c'est invité la société civile haïtienne, les partis politiques, et même la société civile, les partis politiques, pour venir discuter qui est en façon que même avec la crise arabe résoudre. Alors, pas un monde qui n'est pas présent dans la rencontre, ça, c'est madame et professeur Mienon Maniga qui écrit une lettre et vous êtes responsable pour le ministre Bahamasa pour expliquer les raisons que le pape n'est pas venu parce qu'il était quoi que une telle rencontre pas de raison pour une rencontre pareille à dérouler dans l'autre pays. Son problème haïtien d'été de. Et il était de dérouler en Haïti. Alors lui-même il dit tout, c'est même si je vais discuter, c'est même si je sais que lui-même tout, il était organisé en rencontre pendant le mois de mai, quand il était invité plusieurs entités politiques pour venir en rencontre, et il n'y a donc pas de venir. Et entité ça, il peut aller dans la rencontre Jamaïque là. On a venu avec plus d'informations pour ce dossier ça. Et puis ça nous répond de là. Et puis toujours, puisque nous avons dit que l'ancien gouverneur État de New Jersey, Chris Christie, et bien je suis entré dans la course électorale là, comme parmi les candidats qui ont cherché nomination parti républicain. Donc c'est hier annonce en fait. Donc l'ISTA a commencé à allonger là à quantité républicaine qui a cherché nomination parti pour aller dans l'élection présidentielle. Et 2024, très certainement jusqu'à présent, et il y a un candidat en face, c'est le candidat parti démocrate là, c'est le président Joe Biden qui est candidat à propre réélection. Donc, l'installons. Donc, par exemple, le débat, et nous avons le président Donald Trump qui a des problèmes avec la justice, qui est dans le tribunal, dans le dossier, etc. Eh bien, il est toujours mené dans le peloton candidat républicain qui a cherché une nomination parti. Ça va nous encore là. Et puis, l'autorité américaine, vous voyez tout dans la République dominicaine, 83 dominicains. Il n'y a pas dit qui type de monde y a. Il y a une nouvelle année 83 et dominicains, SCD dominicains qui t'ont cherché rentrer aux États-Unis illégalement. Le plus souvent, c'est ça qu'on y veut.
et c'est Dominicain qui compte Kembe dans le canal de la Mona, donc son canal qui sépare la République dominicaine alors, avec Porto Rico. Donc, il compte Kembe en pile embarcation, qui a cherché à traverser le sud entre Porto Rico. Parmi eux, il y a Haïtien tout, mais face à eux, il y a un 43 dominicain, et nous avons parlé de République dominicaine, et le département d'État a publié et mettre les Dominicains sur la liste et avertissement voyage numéro 2. Ça veut dire que font-ils réfléchir avant aller en République dominicaine. Donc, ça veut dire que numéro 2 a pas mal, et contrairement avec l'autre. Il même dit que prends précaution, sous ta voyage, prends précaution. Il ne faut pas que la machine soit arrière, ou alors, pile de l'eau à compter. Donc, c'est pas précaution. Donc, on prend l'autre côté, l'eau à traverser l'arrière, tant que l'eau à traverser l'arrière, garder en haut, garder en bas, ou pas qu'à faire un jour, ou à dire tout, il y a l'eau à traverser l'arrière, la machine à prendre pour nous dire, prends précaution, garder en haut, garder en bas, avant de traverser l'arrière. Tout comme tout le monde boire l'argent, ou à côté non café pour apporter l'argent, ou à côté l'argent, ou très certainement, ou à tirer, et mauvais jet. Donc, c'est le département d'État. Haïti toujours dans la position 4 là. Qui dit que, pas même réfléchir, même, pas même mettre en tête ou aller à visiter le pays. Ça. En attendant, c'est sa révision au bail. Et puis, et pour ça concerne et affaire tremblement de terre, quand c'est moyo, il est monté il est à 4, tremblement de terre frappé sud, et Haïti n'a pas eu de Jérémy, particulièrement qui est côté plus affecté. Quand c'était mon qui mourut, il est à 4. Et puis, il y a un peu de blessés, il y a un peu de cas qui est dommagé. L'hôpital est de référence qui est dans la ville, là, on appelle l'hôpital Saint-Antoine, qui est situé dans le monde. C'est sur quoi qu'on dit Jérémy. Jérémy non plafond. L'hôpital là non monde. Non monde non, et là on fait pas le crime, mais l'hôpital est situé dans le monde. Et puis, la ville là en bas monde lui-même. Donc, l'hôpital là, il lance appel pour envoyer pour jeune secours, jeune tout bail, besoin un train et kit hygiénique, secours pour la population parce que il y a pas de prévoir ça, donc son surprise pour eux, il pas gagner de grand, il demande au gouvernement local là pour dégager envoyer bail pour eux pour assister monde qui blessé notamment de ça. Alors notamment de ça vient mettre abs sous clou parce que la pluie t'a tombé pendant plusieurs jours et mettait pour aller plusieurs cailles. Pour aller bête, monde blessé, monde mourir. Quand c'est monde qui mourit dans un intempérie, il y a même chiffre arrivé à plus passer 50, plus ou moins 51. D'après ça, que protection civile et fait qu'on est, mais on continue toujours à évaluer ou bien encore à évaluer la situation. Mais pas grand chiffre monétaire qui baille, mais au moins il baille. Quand c'est quelqu'un qui bâti, quand c'est quelqu'un qui détruit. Et puis par exemple, Mandadoville m'était présenté un reportage hier pour démontrer nous, par exemple, une ville de Kouleogan qui a une activité commerciale, ville là, c'est Cannes. C'est Clérin qui a fait, et bien l'eau vient de l'eau avec Guildivio. Donc ça m'a dit encore l'autre bagage, ça m'a dit pour intervention l'État. Pour assister les victimes, surtout mon industrie clairin, pour que vous soyez capable de reconstruire le divin encore, pour être capable de recamper sous pied. Donc, c'est un dossier encore que nous continuons à bêcher pour vous. Et puis, il m'a dit choléra tout avec les mauvais, l'eau qui a tombé, pas de gain la pluie même. Et plusieurs monde mourir en choléra, par exemple, sud-est, et particulièrement Jacques Mel. Et nouvelle rapporte qu'il y a 10 personnes qui mourent en maladie scolaire et des gens qui même mourent la caillou, c'est monde qui pensent que c'est le diable qui t'a mangé, c'est zombie choléra qui t'a voué sur eux, ou bien zombie qui va être diable qui t'a voué sur eux, et bien ça mourir la caillou, si on va chercher assistance médicale, mais il y a d'autres monde qui t'attendent un peu trop tard avant que tu aies le docteur, monde ça allait arriver et pas de moyen pour eux. Et puis Monsieur Sans Frontières tout, beaucoup de parle tout, qui a fermé l'hôpital qui était dans la Cité Soleil, et bien Monsieur Sans Frontières a annoncé la pouvait centre de traitement choléra que le gagne c'est ça avec l'autre bah, parce que j'ai remarqué que pas grand amélioration faite dans Cité Soleil bah, il était prévoir que et il était sur les positions de sécurité et bien les remarqué pas grand aucune amélioration avec un cas de choléra qui connia et bien Monsieur Sans Frontières a annoncé que l'après l'ouvrir centre que le gagne l'autre bois l'après l'ouvrir facilité que le gagne pour les accueillir patients il dit que le capable accueillir au moins 50 patients chaque jour. Et puis il y a un côté tout pour le centre de traitement et que les SARL CDC.
Et qui est-ce encore nous capable de dire? Ouais. Et puis, et même j'en ai parlé que et la pluie qui a tombé en pays a été frappée Haïti, a été frappée République Dominicaine, tout surtout partie sud États-Unis, et bien, partie sud République Dominicaine, et bien, et depuis jeudi, pratiquement depuis hier, République Dominicaine a commencé l'opération nettoyage dans la partie sud de la Caraïbe, justement, contre des dégâts que l'intempéria a fait la Caraïbe. Mais par rapport à un pile mort, même genre avec la Caraïbe, mais il y a un dommage quand même que la pluie qui fait passer plusieurs jours a tombé sous Zilea, donc l'île Hispaniola, et bien, eux-mêmes, tous étaient victimes tout, et ont commencé l'opération de nettoyage et la Caraïbe déjà. Et puis, si je parle de petites nouvelles concernant. Et puis, concernant qui ça? Concernant le football? Oui, concernant le football. Eh bien, Grenadier, nous avons la sélection nationale Haïti et Grenadier, senior là, qui a participé à la Coupe de CONCACAF là. Nous avons Haïti dans toute activité, deux grandes activités pour Anessa. D'abord, une Coupe du monde de football féminin qui a déroulé en Australie avec Nouvelle-Zélande. Et sélection senior féminin, sélection senior masculin, lui-même, ni dans la Coupe de CONCACAF là. Et il y a même tout là, il y a commencé à arriver dans Miami. C'est là qu'il y a fait base pour commencer à faire entraînement. Et à partir de. Je dis à l'autre monde ça, yo. On a un paquet d'élèves d'école qui certainement vont aller en vacances. Donc, ils viennent à la ville, ils sont ensemble avec le professeur. Donc, en attendant, il y a dit la voix de l'Amérique comme ça. This is VOA, this is VOA. Voice of America. Yes, hello. Ok. Ok. Donc, c'est comme ça. Les savoirs, comment ils sont gentils avec moi. Donc, ils viennent visiter, ils vont visiter là, donc certainement. Et ils voyage de reconnaissance. Son voyage de venir avec eux là, ils vont monter avec eux là. Comme nous tout prêts congrès là, donc certainement, ils vont visiter le congrès là, puis faire photo. En général, ils avec famille là, parents. Et pas envie de parler, mes professeurs viennent avec eux et accompagnent eux pendant la visite ça. Donc, nous sommes pratiquement en fin mois juin. Donc, c'est pratiquement et fermeture l'école là. Peut-être si l'école là est en semaine encore pour une fête, pour l'irriter encore avant les vacances d'été. Donc, le groupe élève sanitaire là, c'est comme ça qu'il y a monté là. Il va visiter parce que grand pile de pour visiter bon, ici, là, des musées indiens, des congrès, des musées de l'espace. Il y a tellement de choses pour visiter Boïsia et nous rappelons que le musée dans Washington gratis. Vous pouvez pas pour visiter le musée. Donc, il est gratis. Et c'est une partie peut-être bon aspect Washington. Et tout le monde qui vient de Washington est tout bien content parce que les halles dans le musée, rare côté qu'on paye, rare côté qu'on paye, mais en général, la majorité des musées, ils ne sont pas payés. Parce que Washington vit de musées, de touristes. Eh bien, bon, voilà, et c'est ça, nous avons une bonne idée. Bon, aujourd'hui, nous avons un programme, certainement un programme, aujourd'hui, nous parlons d'abord de, réaction qui vient après décision, et pour ce Maniga prend, qui est responsable commission de transition HEC, et qui n'a pas participé, qui écrit qu'il dit lui-même. Alors, nous pas clair, nous pas connaître, est-ce que c'est madame Maniga qui n'a pas participé ou bien c'était tout HTC à tous trois membres qui n'ont pas participé. Nous pas connaître, mais lui-même, il dit qu'il n'a pas participé lui-même. Et il a raison de faire que lui-même, il n'a pas participé. Donc, certainement, nous avons une réaction pour nous qui est en public là, ou bien encore leader politique. Et gardez ça. Clarence Renoir, qui est leader en parti politique, et bien, il dit c'est bien regrettable que madame Maniga et pas participer, non, on constate à côté que l'État a une chance, toute opportunité pour l'État faire tendre des voiles sur une série de dossiers, etc., pour l'État bas opinion. Et pour ça concerne la participation du Premier ministre Ariel Henry, nouvelle œuvre dit que le Premier ministre Ariel Henry vient pour participer dans le sommet leader CARICOM, et dans Bahamas, mais il a retourné, il a passé Jamaïque, côté très certainement, il prend la parole, mais il n'a pas prêté dans la discussion.
La pandémie qui prend la parole et puis l'aller. Donc, pour le souhaiter tout une bonne chance. Et puis, les côtés va aller, les retourner en Haïti, mais elle ne peut pas participer dans la rencontre. Donc, son rencontre a fait inter-haïtien, mais avec les politiciens, opposition, tout le monde, société civile, c'est pour discuter. Et chaque monde a venu avec plan en main. Il était invité au moins plus d'une trentaine. Donc, la délégation s'est arrivée éventuellement samedi, parce que c'est à partir du 11, donc c'est dimanche, lundi et mardi. Donc, à moins qu'il y ait arrivé dimanche, et puis il y a foncé l'après-midi, et puis discussion a fait avec une assistance 3 premiers ministres caribéens, un Jamaïcain, un Jamaïcain, un ancien premier Jamaïcain, un ancien premier ministre Bahamas, et puis un autre ancien premier ministre. Et eux-mêmes, c'est comme des facilitateurs. Et puis, ils montent tout, ils expliquent que la rencontre avec là va sortir sur une solution qui peut débloquer la crise que le pays d'Haïti a longtemps l'a traversé là. Et puis, nous disons que je dis à faire exactement un an, 11 mois depuis, et un groupe mercenaire était entré en Haïti et était assassiné le président Jovenel Moïse. Et non, parmi les gens qui États-Unis étaient en train de causer à tout, parce que les États-Unis ont arrêté une série de monde parce que le crime a commencé aux États-Unis. Donc, ça a été les États-Unis doivent pour rentrer là-dedans. Et bien, les États-Unis ont près d'une dizaine, 11 personnes qui sont en main, qui sont en prison, et particulièrement à Miami. Et bien, parmi les gens, dernièrement là, et bien, ils ont condamné, c'était vendredi, ils ont condamné un homme d'affaires haïtiano-chilien ou d'Olja pour participation intellectuelle ou bien comme monde qui t'a facilité ou bien arrangé ou bien comme auteur, etc., qui t'a battu tous les moyens nécessaires possibles pour te permettre au opération sale de dérouler. Eh bien, monsieur ou d'Olja, il va passer toute ville en prison. Donc, il y a 10 autres encore qui sont encore en prison aux États-Unis et très certainement capitaine sans tension. Disons, c'est la même et donc, nous disons je dis à nous au complet, tout le monde est là. Tout le monde là. Tout le monde. Alors, mon gars, là. Et puis, nous avons Yumi tout. Yumi Janit, lui-même, c'est correspondant nous dans Atlanta, Georgie. Et puis, monsieur avec nous dans le là. Bon, monsieur, monsieur a fait respond avec nous net. Donc, monsieur est là avec nous. Tout. Voilà. Madame Saint-Louis, nous disons salutations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et bonne journée. N'a pas l'épitaphe.